Au beau milieu du bassin méditerranéen, la Tunisie jette une audacieuse tête de pont vers l'Europe. L'extrémité nord du continent africain se rapproche ainsi à 80 km des côtes siciliennes. Entre l'Algérie et la Libye, la Tunisie s'ouvre avec une pareille ampleur sur la mer et le désert. Elle dispose d'une surface 15 fois moins étendue que celle de l'Algérie. À travers l'infini désert qui couvre le tiers du territoire national, ce sont les nappes phréatiques qui ont donné naissance aux oasis. Dans la moitié sud, les précipitations sont en effet trop irrégulières, voire inexistantes. Et le relief n'arrange rien car les collines du nord du pays bloquent la circulation des courants humides. Des cours d'eau au débit incertain conditionnent néanmoins l'existence d'une bonne part des espèces végétales. Et aussi, la vie le long des rives. Malgré la difficulté, les Tunisiens s'efforcent de lutter contre l'aridité des sols. Mais la nature souvent reste la plus forte, comme dans les Chottes, de vastes lacs salés souvent privés d'eau. Et les sécheresses persistantes menacent l'existence des rivières intermittentes, les ouèdes. Dans ces conditions, la vie s'accroche. Le palmier dattier protège l'oasis de ses palmes contre le soleil et le vent. Le moindre végétal fournit un abri ou un aliment à la faune domestique et sauvage, parfaitement adapté à l'environnement. Plusieurs cultures se sont croisées en Tunisie, sur une terre où les premiers peuples se replient devant la progression du Sahara. Ils étaient les ancêtres des Berbères, présents ici 2000 ans avant notre ère. Les Phéniciens, originaires du Liban actuel, arrivent 1000 ans plus tard avec leurs croyances, leur alphabet et leur puissance économique. Ils fondent Carthage, dont le rayonnement s'étend à toute la Méditerranée, quand les Romains s'y opposent et y mettent un terme définitif. La Tunisie devient une province romaine prospère aux confins méridionaux de l'Empire. Ses richesses attirent les convoitises et à la chute de Rome, les envahisseurs se disputent le pactole. Au VIe siècle, les Byzantins élèvent encore le niveau culturel, mais leurs villes fortifiées ne résistent pas à l'entrée des musulmans qui entament un règne de 1000 ans. Après un intervalle ottoman et 75 ans de protectorat français, le pays obtient l'indépendance en 1956 grâce à l'action d'Habib Bourguiba, premier président de la République. La tradition islamique n'a pas empêché la constitution républicaine de séparer clairement la vie civile et la vie religieuse. La société tunisienne est fortement imprégnée par l'islam, adoptée par la quasi-totalité d'une population aux racines berbères profondes. Mais la pratique modérée de la religion a favorisé l'éclosion d'une société libérale où la femme a sa place. D'une manière générale, les habitations sont conçues pour s'opposer à la lumière du soleil et leurs ouvertures étroites limitent l'accès de la chaleur. La structure de l'habitat est identique dans les villes, même si la démographie a changé les proportions. Le patrimoine monumental juxtapose les différentes périodes de l'histoire tunisienne. Mais l'influence musulmane prédomine ici encore par des éléments architecturaux, des attributs stylistiques et des matériaux décoratifs communs à tout le bassin méditerranéen. La survivance des traditions, comme la circoncision ou le mariage rituel, révèle l'attachement du pays à ses composantes culturelles. Toutes les sensibilités s'expriment, parfois de manière échevelée. La religion musulmane rythme l'existence de nombreux Tunisiens. La prière, 5 fois par jour, et le calendrier des fêtes sont des repères immuables. D'autres religions, catholiques ou hébraïques, possèdent également leur lieu de culte. Les ressources agricoles bénéficient de la gestion rigoureuse des réserves d'eau. Mais l'agriculture n'emploie que 16% de la main-d'œuvre tunisienne. Elle a réussi à discipliner le paysage désertique. Cependant, une partie non négligeable des produits alimentaires doivent être importés.
Et quand le désert ne peut être cultivé, il cède parfois le terrain à l'élevage. Avec 1300 km de côte, les pêcheurs trouvent les moyens d'exercer leur activité, qui reste souvent artisanale. Une bonne part des ressources énergétiques sont consommées par l'industrie lourde. La Tunisie se situe parmi les premiers producteurs de phosphate au monde et les réserves de gaz naturel sont suffisantes pour qu'on en exporte. L'industrie est un secteur clé de l'économie tunisienne. Elle fournit du travail au tiers de la population active. L'artisanat représente encore un secteur vital de l'économie tunisienne. Les techniques et les matières utilisées portent la réputation du pays bien au-delà de ses frontières. L'ouverture de la Tunisie au monde se vérifie par la multiplication des moyens de communication, toujours plus modernes, qui mettent la population en contact permanent avec l'extérieur. L'urbanisation progresse. 70% des Tunisiens habitent en ville. Mais lorsqu'on s'en éloigne, la qualité des infrastructures se fait parfois inégale. Pour faciliter les échanges, la Tunisie a construit un remarquable réseau routier dont beaucoup de pays méditerranéens pourraient s'inspirer. Le maillage des communications se complète de 7 aéroports internationaux. Leur rôle est prépondérant dans l'essor du tourisme, l'une des principales rentrées nationales de devises. Chaque année amène environ 5 millions de visiteurs dans le pays. Ils y découvrent des installations récentes, bien intégrées à l'environnement. Depuis l'Antiquité, la Tunisie fait de l'art de vivre un art en soi qui associe l'instant fugace au passé immuable. À travers différentes civilisations, les hommes ont atteint leur épanouissement. Le désert, sans bruit, leur rappelle pourtant qu'ils sont peu de choses et ne font que passer. Le nord tunisien concentre une large part de la population qui totalise 10 millions d'âmes. La ville de Tunis, à l'abri de son golfe, est la capitale depuis 10 siècles. Elle a donné son nom au pays et 20% des Tunisiens y ont fixé leur résidence. La place du 7 novembre commémore le jour de 1987 qui marqua l'arrivée du président Ben Ali après 30 années marquées par le règne de Bourguiba. L'heure du changement sonnait pour la Tunisie. Tout autour de la place, les immeubles contemporains opposent leur froideur anguleuse à l'agitation débordante de la rue. Dans les grandes artères voisines, impossible de passer à côté des édifices laissés par les Français. Un décor d'un autre âge pour un peuple dont 20% n'a pas 15 ans. Difficile d'échapper au brassage culturel d'une ville en perpétuel mouvement. Le protectorat français a tracé les courbes de l'art nouveau sur la façade du théâtre municipal, alors que l'art byzantin s'est attardé sur la cathédrale Saint-Vincent de Paul. Vers la place du gouvernement, les bâtiments officiels se risquent à des formes plus épurées, mais sans renier complètement leurs origines. Il existe pourtant des lieux où les cultures n'ont pas fusionné. Dans la Médina, la vieille ville, les souks perpétuent un mode de vie inchangé depuis des siècles. L'effervescence et le foisonnement des marchandises peuvent laisser croire à un joyeux désordre. Il n'en est rien. La fabrication et la distribution se répartissent selon un schéma très précis. À l'origine, les autorités ont rassemblé les boutiques en un seul lieu dans la Médina, non pour faciliter les achats des clients, mais pour contrôler les productions et les transactions. Cela empêchait aussi que n'importe qui s'installe pour vendre n'importe quoi, sans respect de la qualité ou à des prix défiant toute concurrence. Les parfums précieux occupent le haut de la hiérarchie des commerces dans les souks, où le jour se glisse de temps à autre,
furtif. Par spécialité, les activités sont regroupées selon la noblesse de leur art et selon les nuisances qu'elles peuvent occasionner. Les tisserands et les tailleurs sont mieux considérés que les artisans qui travaillent le cuir. Mais ici, tout se vend, même les commerces. Sont repoussées, à l'air libre ou à la périphérie des souks, les marchandises trop encombrantes pour être stockées en boutique. Même chose pour les denrées périssables. Chaque recoin a sa spécialité. La chéchia, le célèbre bonnet de laine rouge, bénéficie d'un statut à part. Le shawashi, qui la façonne, fait partie de l'aristocratie des souks. Les hommes la portaient comme support du turban dès le XIIIe siècle. Autre apanage masculin, fumait le narguilé, la chicha, une pipe orientale raccordée par un tuyau à un réservoir d'eau aromatisée. Sur la colline de Birsa, l'ancienne cathédrale Saint-Louis est dédiée au roi de France, Louis IX, mort de la peste au cours d'une croisade. La colline domine le site d'une illustre ville antique, Carthage. Autour d'un petit port, la ville fut créée au 9e siècle avant Jésus-Christ par les Phéniciens et très vite, elle rivalisa avec les cités grecques. Le simple comptoir commercial d'origine donnera naissance à une métropole prospère contre laquelle Rome luttera pendant un siècle. Carthage tomba après un siège de 3 ans. Les Romains s'acharnèrent sur la fastueuse cité qui compta 500 000 d'habitants. Ils aspergèrent l'endroit de sel pour qu'il fût à jamais maudit. Aujourd'hui, Carthage demeure méconnue car les vestiges sont peu nombreux. Après le passage des Romains, rares sont les pierres à être restées en équilibre. Et la belle carthaginoise disparut avant d'être classée par l'UNESCO. Sur un promontoire au nord-est se perche le fameux village de Sidi Bou Saïd. Depuis le début du XXe siècle, un décret officiel impose à la localité le blanc et le bleu comme couleurs de référence. Mais derrière leur bichromie, les maisons ne peuvent dissimuler leurs lignes et leurs décorations andalouses. Elles ont été construites au XVIe siècle par des familles musulmanes espagnoles, fuyant la répression catholique. Dans le nord-est du pays, la Méditerranée s'avance vers l'intérieur des terres en creusant le golfe d'Hammamet. Toute la région côtière à cette latitude prend le nom de Sahel, rivage en arabe. La ville d'Hammamet ferme au nord la parenthèse du golfe. Elle blottit sa médina contre une casbah, un quadrilatère fortifié du XVe siècle. Le fort témoigne d'un passé guerrier désormais bien lointain. En effet, les quelques kilomètres de plage qui bordent Hammamet fournissent le quart des recettes touristiques du pays. L'endroit a plu aussi au maréchal allemand Rommel, qui en fit son quartier général pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pour fuir les incursions des pirates, certains villages, comme celui de Takruna, ont préféré s'installer en hauteur. Sur un piton rocheux, le petit bourg a miraculeusement conservé son architecture traditionnelle. Au sud du golfe d'Hammamet, la ville de Sousse faisait partie d'un dispositif défensif dont le ribat était la pièce maîtresse. Le ribat abritait derrière ses murs une garnison de moines soldats chargés d'enrayer les attaques des chrétiens. Le ribat de Monastir, plus à l'est, poursuivait le même objectif, mais avec une plus grande responsabilité. Mahomet, en personne, aurait en effet déclaré qu'une des portes du paradis se trouvait à Monastir. La mosquée Bourguiba, avec ses portes de teck, et le somptueux mausolée Bourguiba rappellent que Monastir est la ville natale du combattant suprême. L'ancien président aurait investi des sommes considérables pour la restauration des monuments et l'embellissement de sa ville.
La dépouille du chef d'État y repose depuis son décès en l'an 2000. À l'ouest de Monastir, d'imposants remparts mettent une cité légendaire à l'abri des regards. La ville de Kairouan a vu le jour au 7e siècle de notre ère. Le site fut choisi à une journée de marche de la mer où les Byzantins menaçaient et à pareille distance des premières tribus berbères hostiles à l'islam. La grande mosquée est un des plus prestigieux sanctuaires du monde musulman. Elle vaut à Kairouan d'être la 4e ville sainte de l'islam, après la Mecque, Médine et Jérusalem. La salle de prière est ornée de colonnes romaines et carthaginoises et de teks ouvragés. Au sud-est de Kairouan, l'huile d'olive fit la fortune d'El Djem. Les Romains y bâtirent le 3e amphithéâtre de leur empire par la taille. Le Colisée de Rome était le plus vaste, mais il fut construit en briques. Ici, l'édifice est taillé dans une pierre originaire d'une carrière toute proche. Vers le sud, le pays s'enfonce dans le Sahara, entre les frontières algériennes et libyennes. La Méditerranée n'a pourtant pas dit son dernier mot, car elle mord profondément sur les terres à hauteur du golfe de Gabès. Les flamants roses abondent sur les hauts fonds vaseux dénudés par la marée. Celle-ci peut atteindre une amplitude de 2 mètres aux équinoxes, un phénomène unique en Méditerranée. Les flamants roses ne sont pas les seuls à en profiter. Dans le golfe, il arrive qu'on pêche encore avec la technique du tartaron, qui consiste à tirer un filet vers la plage. En un quart d'heure, le bac relie le continent à Djerba, une île réputée depuis fort longtemps. Dans l'Odyssée déjà, Ulysse y fit escale et s'y trouva tellement bien qu'il faillit rester. Djerba est pourtant presque totalement dépourvue d'eau douce, aucune rivière, aucune source. L'absence de relief limite les précipitations sur une terre dont l'altitude maximale dépasse à peine 50 mètres. À Djerba comme ailleurs en Tunisie, les femmes sont plutôt satisfaites de leurs conditions sociales. Elles peuvent refuser un mariage souhaité par la famille et la polygamie est proscrite. La population active compte 25% de femmes. Certains secteurs d'activité sont naturellement restés très masculins, comme la pêche. Les fortes marées et la faible profondeur favorisent la quantité des prises qui seront écoulées à Oum Souk, la principale localité de Djerba. Les poissons sont enfilés en chapelet par les ouïes en fonction de leur poids pour être vendus à la criée. Du haut de son siège, le dalel égrène les enchères comme une litanie. La conclusion d'une vente suscite toujours les commentaires. À l'ouest de Djerba, de retour sur le continent, des cratères perforent le plateau du Dahar à Matmata. Un paysage lunaire. Les ouvertures ont été pratiquées par les Berbères fuyant le péril arabe. Invisibles de loin, les maisons troglodytiques offrent une excellente protection contre le froid en hiver et la chaleur en été. Elles se composent de 2 étages reliés par des moyens sommaires. La roche tendre permet d'aménager les pièces à sa convenance en prévoyant des emplacements pour le mobilier et des étagères pour le rangement. De nombreuses alcôves agrandissent l'espace vital. Les céréales sont broyées par une meule en pierre et le garde-manger familial se répartit à travers une collection de poteries au format varié. La vie, ici, est rustique. Mais on n'est pas pour autant coupé du monde. Tozeur
ne serait qu'un mirage sans l'oasis et l'immense palmeraie qui la borde. Sur 1000 hectares, les palmiers s'opposent au soleil meurtrier. Un réseau de séguias, les canaux d'irrigation, distribue l'eau nécessaire aux cultures et aux milliers de dattiers. On compare la datte de Tozer à un doigt de lumière. Au sommet de l'arbre, le Kames coupe le régime de datte, une opération délicate car certains régimes avoisinent les 10 kilos. Le nom Kames vient du mot arabe 5, car l'ouvrier est rétribué en principe au cinquième de la récolte. 40 km au nord de Tozer, les voyageurs attendent devant la gare de Metlaoui avant d'embarquer dans le Lézard Rouge. Le petit train construit en 1910 a été remis en état de marche. Au départ, le train servait au bey de Tunis, la plus haute autorité du pays à l'époque ottomane. Il l'utilisait pour rejoindre sa résidence d'été dans le golfe de Tunis. Quelquefois, dans le paysage aride, le train fait planer une atmosphère de kermesse irréelle. L'aridité donne soif, mais décidément, tout est prévu. Sur son parcours, le Lézard Rouge emprunte les gorges de l'Oued Selja, un cours d'eau très diminué en été qui s'immisce au pied de falaises vertigineuses. En progressant vers le sud, la végétation s'éclaircit. L'ombre bienfaisante des palmiers recule sans cesse. C'est la porte du grand ergue oriental, le début du Sahara. Les derniers bouquets de palmiers sont l'ultime relais avant le désert. Le cheval, trop fragile, devient inutile pour le voyageur. Il faut abandonner tout attelage et se tourner vers le seul animal capable d'affronter les sables brûlants, le dromadaire. Un chef-d'œuvre d'adaptation au milieu, conscient qu'on a besoin de lui. Quand toutes les provisions sont faites, l'heure du départ sonne enfin pour l'aventure du Sahara, le plus grand désert du monde, vaste comme 15 fois la France. 250 km au sud-est de Tozer, l'oasis de Ksar Gilan résiste à l'étau du désert. Puis, le Sahara reprend le dessus. Sur des pistes qu'elles seules paraissent connaître, les caravanes ont de tout temps parcouru le désert. Elles transportaient du sel comme monnaie d'échange, des esclaves et des marchandises multiples. Celles-ci s'entreposaient dans les ksars, des greniers fortifiés. Sur l'immense mer de sable du grand ergue oriental, flottent les plus beaux rêves qui soient permis à l'homme. Surtout lorsqu'au-delà des palmes, l'horizon s'élargit et que dans un même tableau s'unissent la mer et le désert.